Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 11, versets 45 à 47. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allaient trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens se réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et d'autres nations. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous ne comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se demandaient, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête ?» Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Samedi 27 mars, le texte que nous venons d'écouter nous montre que l'animosité est arrivée à son paroxysme. La haine a pris le devant. Et la mort commence déjà par sentir, on sent l'odeur de la mort. Ils ont déjà décidé de le tuer. Mais j'insiste sur quelque chose que j'avais déjà dit hier. Le texte d'aujourd'hui commence en disant, là où Jésus a ressuscité Lazare, beaucoup de personnes ont cru en lui. Rappelons-nous que nous devons chercher place parmi ces personnes-là qui croient en Jésus, au lieu d'être là en train de chercher l'aiguille dans le foin. Et c'est ce qui se passe avec les quelques-uns dont on parle ici. Mais quelques-uns allaient trouver les pharisiens. Quel est leur intérêt? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Pourquoi ont-ils fait cela? Est-ce que c'est pour paraître bon devant les pharisiens? Beaucoup de fois, ça nous arrive aussi de faire les choses pour sembler bon devant les supérieurs, devant le responsable, de sembler bon. Et pour être bon, on est capable de raconter n'importe quoi, de raconter une vérité pour mensonge. Que le Seigneur nous délivre de cette tentation à penser que c'est les autres qui vont nous justifier. C'est Dieu qui nous justifie et que ce Dieu-là nous console dans les moments où il semble que nous sommes calomniés. Vous n'y comprenez donc rien, vous n'avez pas compris, vous ne savez pas où est votre intérêt, c'est ce que dira Caïphe pour justifier la mort de Jésus. Même là, lorsqu'on dit qu'il a prophétisé, sa prophétie n'est rien d'autre que tombeau vide. Parce qu'en réalité, ici, il est simplement en train d'aller dans le même sens que ce que les gens vont faire. Le seul élément positif qu'on peut y trouver, c'est que la mort de Jésus n'est pas pour lui, mais pour nous, pour te sauver, pour me sauver, pour sauver l'humanité tout entière. Mais je suis étonné par ce que Jésus va faire. Jésus va se cacher, c'est intéressant. Pour dire, mes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de nous exposer continuellement. Quand ça ne va pas, il faut avoir le courage de se retirer, de définir une stratégie, de réagir de façon à être pertinent. Et Jésus ici se retire. Il ne sort plus directement devant les gens. Mais ce n'est que partie remise, puisque les Juifs vont mettre en place tout le dispositif nécessaire pour mettre la main sur lui. Ils réussiront à la fin. Ils réussiront. Mais ce qui est important, c'est que Jésus nous enseigne aujourd'hui de mettre de notre côté tout l'arsenal nécessaire pour éviter de tomber dans le piège des gens. Que le Seigneur nous aide donc à être attentifs, à user de son esprit, de la sagesse de l'esprit, pour savoir nous cacher lorsque c'est nécessaire et pour savoir nous exprimer lorsque c'est nécessaire. Parce que ce qui se dit aujourd'hui qui fait bien peut être dit demain et faire le mal. Que Dieu nous bénisse et que son esprit de discernement nous accompagne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.